Je vais vous la faire à la Lémergie. William Lémergie. Oui, c'est son nom qui me vient à l'esprit alors qu'on parle du mercato télé, radio, que va faire Ruquier, que va faire Alessandra Sublet, où va Hanouna, Thomas Soto, Valérie Damido. Tout le monde parle du mercato. Moi, je vous parle d'un homme qui, depuis plus de 13 ans maintenant, même un peu plus, s'il y avait une interruption parce qu'il a présenté le journal pendant un moment, présente, anime l'émission la plus agréable, la plus efficace, la plus claire, la plus simple, la plus instructive du matin à la télé. Il s'agit de Télématin et de William Lémergie. Lémergie, avec ses 66 ans, il en paraît 10 de moins, sa dent du bonheur, sa décontraction élégante, son sourire permanent, sa capacité d'interroger clairement les gens sans les agresser, son équipe, ils sont 50 à faire cette émission, dont 25 journalistes, et sa facilité apparente. Chacun sait, en télévision comme en tout d'ailleurs, que quand ça paraît facile, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail et que c'est très difficile. Il me dit que la difficulté, c'est tout simplement de toujours se dire qu'on va chez les gens. Vous êtes en train de tartiner de beurre votre bout de pain, votre biscotte, et moi j'arrive. Et j'arrive, moi, à Lémergie, cravaté, élégant, mais pas dandy, mais courtois, à l'aise, et je viens vous raconter ce qui se passe, et je viens vous présenter toutes sortes de choses. Et il le fait avec le vocabulaire, l'expérience d'un vrai journaliste, d'un homme qui a beaucoup navigué en radio, en télévision, qui s'est occupé à un moment donné d'une émission pour les jeunes, donc qui a capacité pédagogique. Mais c'est un homme qui, selon moi, fait partie des vraies valeurs de la télévision. Valeurs sûres, valeurs durables. Il dit que ce qui l'impressionne le plus, ce sont les artistes, style Depardieu ou Jamel Debbouze, parce qu'il dit que ce sont des paraboles, des capteurs. Il dit que les artistes voient autre chose que nous, voient plus loin. Alors je ne sais pas si Lémergie voit plus loin ou voit autre chose, mais ce que je vois en lui, c'est le professionnalisme qui est doublé d'un culte de la courtoisie. Et je lui demande, mais comment définis-tu ta profession? Tu es journaliste, tu es producteur, tu es animateur. Il me dit, animateur, ça m'intéresse. Je suis licencié de lettres. Il a fait lettres à Nanterre en 68, c'était la bonne année. Et je sais ce que c'est le mot animé. Dans le mot animé, il y a âme. Eh bien, tout simplement, j'essaie d'apporter un supplément d'âme avec un supplément de sourire. Bravo, Lémergie, dont le nom d'ailleurs rime avec énergie.